Arrêtez de tuer mon frère et ma mère. Arrêtez de tuer les petits enfants. Trop c'est trop, trop c'est trop. Nous nous avons crié. Arrêtez de tuer. Arrêtez de nous massacrer. Nous avons crié. Bonjour, bon. Arrêtez de. Je sais pas, mais Elie, on a attaqué ma part ici là. On va vous finir, on doit plus donner rendez-vous aux gens. Hein. On doit plus donner rendez-vous aux gens. Hein, parce que là, depuis là, je n'arrive pas à publier sur ma page là. Depuis le matin, j'ai même fait une vidéo où j'ai pas pu publier quoi. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde est là. Voilà. De mon côté, ça va. Ça va très, très bien. Voilà, ça va très, très bien. Vous partagez le live parce que on doit parler à certaines personnes qui pensent que la politique, c'est un fonds de commerce. Voilà, que chacun va travailler. Chacun doit se débrouiller. Voilà, ne pense pas que parce que tu t'assois à la télévision, tu parles et tu vas vivre. Non, 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 non. On ne s'engage pas en politique pour changer ses conditions de vie. Voilà. On n'encense pas quelqu'un parce que la personne doit être choco. Surtout un leader charismatique comme le président Maurice Kamto. Ce n'est pas quelqu'un que, parce que tu as parlé bien de lui, il va te recevoir, il va ouvrir son cœur, il va t'ouvrir ses bras pour que tu viennes entrer, de même pour le lâcher. Non, non, non. Quand on est un politicien, on a du charisme. Voilà. Quand on est un politicien, on prend de la hauteur. Car Dieu seul est fidèle. Personne ne croit en Dieu comme les politiciens. Personne. Voilà, surtout ceux qui sont du bon côté. Bien beaucoup, la politique est comme la mafia. Mais personne n'a la crainte de Dieu comme les politiciens. Beaucoup de politiciens ont peur du Senta. Le Senta, les politiciens ont peur du Senta. Que le président Maurice Kamto ne m'a pas reçu, il devait me recevoir, tout est consort. Regardez-moi quelqu'un. Ah bon? Que j'ai joué mon image à celle du président Maurice Kamto, j'ai joué mon image à celle de son parti, tout et tout. Regardez-moi. Vraiment, la vie est terrible. Sébastien, la connexion est vraiment mauvaise. Hein, Sébastien, ben là, il faut aller travailler, il faut travailler. Rester là sur les plateaux chaque jour, crier avec ton ami là, on l'appelle qui là. Là, son ami avec qui là, ils sont toujours là en train de faire les émissions, tout et tout. Ils sont là toujours en train de faire les émissions. C'est même quelle chaîne d'abord? C'est l'une des chaînes que je ne connais pas le nom. Chacun, Yves là, est toujours en train de donner son point de vue, tout et tout. Mais c'est terrible, hein? La connexion là. On a des signaux la page là, quoi. Partagez le live, les gars, partagez le live. Partagez le live. Voilà. Et ce n'est pas lui qui est le problème, hein. C'est sa manière de faire qui est le problème. Donc, il faut que je vous mette en garde. Je n'ai pas un problème avec la personne. Mais c'est pour ouvrir vos esprits, vous là. C'est pour ouvrir vos cerveaux. Que voilà, on n'embrasse pas toujours ceux-là qui nous font la talakou dans la vie. On n'embrasse pas toujours ceux-là qui nous font la talakou dans la vie. Et c'est ce genre de comportement-là que beaucoup de personnes tombent dedans. Même dans la famille. On finit souvent trop par adopter, par tout donner à celui-là. Ma grande sœur chérie, ma sœur chérie. Mais pendant ce temps, celui-là même qui est à distance, qui t'aime en vrai, c'est toi. Mais il y a celui-là qui est prêt à tout. À mouiller le maillot. À mouiller le maillot. Pour que tu lui ouvres tes portes. Quand il entre, bim, il va te faire ça dur. Écoutez ce qui sort de sa bouche. Écoutez ce qui sort de sa bouche. Mais un gars comme, un monsieur comme... voilà. Ils sont tellement en train
de signaler la page là. Donc franchement, un monsieur comme Maurice Kamto, quand tu es en face de lui, un monsieur comme celui-là, c'est quand il ouvre sa bouche quand il faut ouvrir. Ah oui, c'est quand il ouvre sa bouche quand il faut ouvrir. Voilà. Donc tu crois que tu vas t'asseoir là parce que tu as mouillé le maillot. Non, ça dépend pour qui tu mouillais le maillot. Ça dépend pour qui tu mouillais le maillot. Et que je profite pour m'adresser à certaines personnes ici là. D'abord même, avant d'être leader national ou bien héros national, chacun est d'abord leader dans sa famille. Et regardez bien le comportement de tous ces gens. Voilà, voilà les gens qui regrettent aujourd'hui, qui pleurnichent l'amitié. Voilà. Parce que ils n'ont pas pu atteindre à leur fin. Voilà, c'est des personnes qui sont en mission. C'est des personnes qui viennent à côté de vous, soit pour vous salir automatiquement. Voilà. Ils veulent automatiquement une reconnaissance. Quelqu'un qui t'aime en vrai n'a pas besoin de tout ça. Quand tu aimes quelqu'un en vrai, tu n'as pas besoin qu'il soit reconnaissant avec toi. Mais oui. Quand tu aimes quelqu'un en vrai, tu n'as pas besoin de tout ça. Que la personne vienne s'asseoir là, attends, à te dire comment tu es. Non, j'ai pas besoin. Moi, j'ai toujours dit. Parce que aimer quelqu'un, ça se voit en fait. Et peut-être, les questions sentimentales, c'est autre chose. Maintenant, on parle là de la politique. On parle de la politique. Est-ce que tu partais, tu prenais position, tu dénonçais parce que on fait partie du MSC. Et si tu voulais faire partie du MSC, il fallait prendre ta carte. Moi, je ne suis pas membre du MSC. Je ne suis pas membre du MSC. Je suis un sympathisant du MSC, mais je ne suis pas membre du MSC. Mais je ne suis pas du MSC. Ouais. Pour être membre du MSC, il faut prendre ta carte. Tu peux chanter là matin, midi, soir. Je suis du MSC, je suis du MSC. Alors que tu... Aide, même quoi ça, c'est quoi le réseau là? Le réseau là, ça dérange là. Et ça ne va pas là. Le réseau, ça dérange. Il y a ce que fait ça ici dedans. Il y a ce que fait ça ici dedans. Il y a ce que fait le live là ici dedans. Franchement. Parce que là. Et puis pour là, ils sont en train de me tendre les pièges. Ils me tendent les pièges là. Hein? Ils sont en train de me tendre les pièges. Ouais, Je vais changer de sens. C'est mieux. Hein? On va trouver ça. Le quoi par ici, c'est bon, non? Le quoi par là, ce sera plus bien parce que là. La connexion est en train de déranger là. Il faut que j'entre à l'intérieur. Barbo? C'est bien là qui est dehors. Faut partager le live. You share the live. Bring it for me. Ok, thank you. Thank you so much. My sweet boy. Donc voilà. Éteins-moi la regret là. Éteins-moi cette regret ici. Ok, je crois que ça va. I think it's good, right? Is it good? Comment vous voyez? C'est bon? Barbo? Voilà, je crois que c'est bon maintenant. Donc, il faut qu'on dise à Sébastien Ibala, voilà,
que la politique n'est pas le fonds de commerce. Voilà. Si tu viens en politique, tu penses que c'est le parti qui va te nourrir ou bien c'est parce que un leader va te nourrir. Il faut te détromper. Voilà. Surtout quand on a en face un homme honnête comme le président Maurice Kamto. Bah, c'est très important de dire, de rappeler à certaines personnes et à d'autres personnes qui vont croire que s'aventurer en politique, c'est pour aller se faire de l'argent. Parce que là, quand vous écoutez ce qu'il dit, Sébastien Ebala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tout ce qu'il a fait pour le MSC et le président Maurice Kamto, on ne l'a jamais cité quelque part, même une fois. Mais on va te citer pourquoi, Sébastien Ebala. Pas pour que le pays va mieux. Ou bien tu te bats pour le MSC. Moi, je me bats pour que le pays va mieux. Je me bats pour... Voilà. Je me bats... Ah, c'est grave, hein? Putain de merde. C'est un merde, là. Est-ce qu'on doit se battre pour que le parti va mieux? On doit se battre pour que le pays va mieux. Mais oui. Et je suis quoi? Tu n'es pas du MSC, Ebala. Ebala, tu n'es pas du MSC. Tu étais peut-être, comment on peut le dire, en mission. Ah, vous ne voulez pas mettre le cœur. Mettez le cœur. Ne mettez pas le cœur. Vous voulez qu'on fasse comment? Mettez le cœur, mettez le cœur. Vous ne voulez pas mettre le cœur, vous voulez qu'on fasse comment? On sera obligé de repousser l'histoire là, hein, parce que là, je n'arrive pas à comprendre. La connexion la dérange. La connexion, ça dérange. Franchement. Ça dérange. Vous voulez qu'on fasse comment? Soit on va seulement reporter, ou bien voilà. Soit on va continuer, je ne comprends pas. Mais oui, c'est vrai, chacun doit lutter pour sa propre survie, mon frère. Chacun doit lutter pour sa propre survie. Mais vous allez voir les gars comme les Sébastien. En fait, quand tu comprends bien, il suit le vent. Il suit le vent. Parce que subitement, il a changé, voilà. Mais derrière, il est d'un autre côté. Subitement, lui aussi, déjà, il adhère déjà aussi au tribalisme. Regardez bien comment il est en train de procéder. Lui-même, il est déjà dans le système. Donc, il cherche sa part, en fait. Il est dans une thématique de chercher sa part, ma part. Voilà. Bon, je pense qu'il n'est même pas assez intelligent parce que quand on veut même sa part, on ne change pas comme ça. Voilà. La meilleure façon d'être. Oh mon Dieu, la meilleure façon d'avoir sa part, c'est de rester dans ton camp. D'arriver, la meilleure façon d'avoir ta part, c'est de rester dans ton camp jusqu'à ce qu'on donne ta part avant que tu partes. Mais quand toi-même là, tu annonces déjà que tu veux ta part et que dorénavant, je ne suis plus dans le camp là, tu es mal barré, tu es mal parti. On va te faire ça trop dur. On va te faire ça dur. Donc c'est pour dire à certaines personnes, même quand tu vas aller négocier à la mafia, quand tu veux ta part, reste d'abord chez toi, tu négocies jusqu'à ce qu'on te confine. Voilà. C'est un peu comme une femme qui a trois enfants, trois pères, quatre enfants, quatre pères. Et que l'autre gars dit que non, je veux ma part d'enfant. Ma chérie, si celui-là ne te met pas les garanties, ne te donne pas toutes les garanties, ne fais pas l'enfant avec lui. Tu as déjà eu quatre enfants avec quatre pères. Le cinquième vient. Il dit qu'il veut sa part. Ma chérie. Qu'ils remplissent toutes les garanties avant que tu acceptes. Avant que tu acceptes. Franchement. Parce qu'avec la Lucie là, vous croyez qu'il va s'en sortir là? Non. Aujourd'hui, il veut faire semblant d'être radical. Oh, maintenant, tu vois. Maintenant, il a fait avec la personne de Maurice Kamto. Mais il se détrompe. Nous sommes en politique, mon frère. La dignité demande que chacun, tu fermes ta gueule et tu avances. Voilà. Quand dans une relation, après une séparante, passe ton temps à parler de la relation. Ça veut dire que c'est toi qui étais gagnant dans la relation.
Tu te gagnes dans la relation. Oui, tu te gagnes dans la relation. Tu étais en mission. Et comme tu n'as pas pu atteindre ta mission, ça veut dire peut-être que tu es venu pour t'aimer quelqu'un. Tu es venu pour joindre ton image à celle du président Maurice Kamto. Tu es venu pour joindre ton image à celle du MSC. Pour faire ce qu'on appelle putain de merde. Bah, c'est ça le problème en fait. Donc ça dit, on devait l'accepter, il entre dans la maison, on le reçoit, voilà. Et comme, vous savez, ils sont très malins, regardez bien. Regardez bien. Il est ton supporter. Faites attention. Quelqu'un peut être ton supporter, mais il ne remplit pas les formalités pour être ton membre. Fais attention. Fais attention de tous ceux-là qui peuvent bien remplir les conditions pour faire partie de ta maison ou bien partie de ton association, mais qui refusent de remplir les formalités et qui veulent que tu parles d'eux. J'ai connu ça avec Mbanga Diaspora. Tu vois quelqu'un vient, il dit que Mbanga, vraiment, je suis un enfant de Mbanga, mais pardon, je veux que tu fasses telle chose. Pardon, parle de telle chose, pardon. Ok, voilà ma participation pour telle chose. Et que, mais pourquoi tu ne veux pas faire partie de l'association Mbanga Diaspora? Parce que tu remplis toutes les conditions. Voilà. Je dis au gars, mais tu es un enfant de Mbanga, tu remplis toutes les conditions, tu es de la diaspora. Tu participes parfois, mais il faut être membre. Voilà les conditions pour être membre. Le gars dit niet. Moi aussi, je reste tranquille dans mon coin. C'est tout. Ça veut dire qu'il est en mission. Et la mission, c'est quoi? S'il devient membre, ce ne sera pas facile demain de se faire dédouaner. Mais il sait que s'il est membre, ce sera difficile pour lui de se dédouaner. Et maintenant, s'il n'est pas membre, c'est facile pour lui. Il va dire, j'étais sympathisant. Je suis parti, j'ai regardé, j'ai lorgné, voilà, et je me suis trompé, et je recule. C'est ce qui, en fait, a manqué à Ebala. Et il a rencontré un vieux singe. On n'apprend pas un vieux singe à grimacer. C'est ça le problème. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. De ceux-là qui vous disent, attendez, mais tu aimes une femme, mais attendez, mais elle doit être de tes côtés. Hein? Quand tu aimes une femme, tu la prends, tu la chatouilles. Hein? Alors, tu peux toquer la porte. Mais oui, tu peux toquer la porte. Tu la dotes. Si possible, tu l'épouses. Mais la dot, déjà, c'est bien. Mais c'est toi qui dis que tu es... Tu n'es pas là. Elle vit où chez ses parents. Alors que tu as la possibilité d'aller te présenter chez ses parents. Tu évites ses parents. Tu fuis ses parents. Et comment tu l'aimes? Comment tu l'aimes? Elle dit que tu es en mission. Hein? Tu es là peut-être pour dire que bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est mieux que je commence à faire mes lives sans plus prévenir. Parce que là, c'est ma première fois que j'ai des soucis pareils. Hein? Je pense que c'est parce que j'ai prévenu qu'on a déjà signalé ma page. Et je dis d'un merci à ce brave Camerounais qui m'avait aidé à réinitialiser le Wi-Fi chez moi. Moi, j'ai quand même le Wi-Fi. Je ne comprends pas pourquoi ça dérange. Donc voilà, tu ne peux pas être là, tu dis que tu es à Moinga. Présenté chez ses parents. Hein? Et tu la yamo. Non, ça veut dire que tu es seulement en mission. Et tu vas profiter de le matin, tu vas partir. Voilà pourquoi tu ne veux pas voir ses parents. Et c'est ce qui a raté, a manqué à l'autre, à Ebala. Voilà. Et pour sa gouverne, pour ta gouverne Ebala, tu te souviens du grand Lapiro de Mbanga? Lapiro de Mbanga, la légende. Lapiro de Mbanga, la légende, a perdu sa boîte de nuit Matango Club. Il a perdu beaucoup de choses dans sa vie. Il a perdu beaucoup de choses. Jusqu'à partir en prison. Est-ce que vous savez que Frundi n'a jamais ouvert sa bouche? Mais oui, puisqu'il n'était pas membre du SDF. À l'époque, nous, Mbanga, on disait que mais pourquoi Frundi ne parle pas de lui? Tout et tout, mais comment, qu'est-ce qui ne va pas? Comment John Fundi est comme ça? Mais oui, mais avec le temps, tu comprends. Il ne fait pas partie du parti. Mais oui, tu n'es pas membre du SDF.
Mais oui. La Piro n'était pas membre du RDF. Mais oui. La Piro n'était pas membre du SDF. Il n'a jamais été membre du RDF. Il était un artiste engagé. Voilà. Peut-être pro-RDF. Du RDF. Mais il n'était pas du RDF. Donc, Maurice Kamto doit laisser ses membres de son parti, les Bibou Nissa, les Alain Fogué, les Benahé, celui qui est ici, avec les autres camarades qui sont partout dans certaines prisons du Cameroun. Mais oui, on ne peut pas en vouloir au président Maurice Kamto de t'avoir ignoré. Mais oui, c'est normal qu'il dise même qu'il ne te connaît pas. C'est un homme politique. Il aspire un jour à gouverner le pays. Il ne doit pas être là à dire que je connais celui-là, je connais ceci. Non, non, non. Il doit être réservé. Quand on est un homme politique, on doit être réservé. Même si on a de l'estime pour quelqu'un, même si on a de la sympathie pour quelqu'un, on ne se prononce pas. Parce que l'homme était un éternel bipolaire. On a vu des gens, du fait que tu as mis ta bouche dans leur histoire, subitement là, c'est toi qui deviens le bourreau. Parce que si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas que tu piégeais le MRC et le président Maurice Kamto. Mais Eriel, comment tu peux tenir ce genre de langage là? Que quand on te torturait à la Sémile, voilà, il suffisait seulement que tu mentionnes son nom. Mais tu parles même de qui là? Regardez-moi un monsieur comme ça là. Tu parles de qui? Du président Maurice Kamto. Donc parce que toi, hein, toi, un non-name, tu as dit que le président Maurice Kamto, c'est lui qui m'a envoyé, on vient l'embarquer. Est-ce que quand il mène ses actions, il les mène dans le noir? Mais Maurice Kamto, c'est celui-là qui a bravé l'interdiction de la marche. Mais oui, il ne parle pas de lui, c'est un homme averti. C'est un homme averti. Voilà, c'est un homme averti. Et même les adhérents du MSC, les membres du MSC qui ont quitté le navire, ils parlent d'eux parce qu'eux, ils faisaient partie du navire, du MSC. Les Sretten Djamen, les Ndoki, voilà. Et puis, Eric King est père à son âme à l'époque. Oui. Et l'autre papa père à son âme qui est décédé. Voilà. Il peut parler d'eux parce que, ok, il peut parler de parce que eux ils faisaient partie du même parti, ils étaient en partenariat, voilà. Mais à part ça, il va parler de toi pourquoi, Ebala? Il va parler de toi que tu es de son parti. Non, tu n'es pas de son parti. Tu mènes ton combat pour toi, pour que le Cameroun va mieux. Et si ça va mieux, ça va aussi aller mieux pour toi. C'est clair. Tu ne mènes pas ton parti pour Maurice Kamto. Tu ne mènes pas ton combat pour Maurice Kamto, ou bien pour le MSC. Voilà votre moins cher. Mais vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Maurice Kamto, c'est un homme averti. Vous avez tapé poteau. Va chercher le travail. La politique n'est pas le fond de commerce. Kowo, il ne m'a pas reconnu. Il dit même que le grand Lapiro de Mbanga, la légende. Je parle bien le grand Lapiro de Mbanga. Nous, en Mbanga, on disait que mais pourquoi John Fondi n'aime pas Lapiro? Mais oui, pourquoi John Fondi n'aime pas Lapiro? Ça avait le temps qu'on a compris. Non, hey, il n'est pas du MSC. Mais c'est clair. Maurice Kamto est libre de dire qu'il ne connaît, il ne reconnaît pas la base. Et c'est normal. Est-ce que la base fait partie du MSC? La base ne fait pas partie du MSC. C'est clair. Même moi-même qui est ici là, que j'ai été arrêté, torturé, tabassé. Voilà, on a enlevé ma femme, on a traumatisé mes enfants dans la maison ici là. Donc je vais me lever un matin pour dire que non, tout ça c'est à cause du MSC. Il faut être un petit dans sa tête. Il faut transformer la politique, le combat politique en fond de commerce pour tenir ce genre de langage là. Toute personne qui tient ce genre de langage, que wow, c'est à cause de Maurice Kamto, c'est parce que tient ce genre de langage là. Tu es un morpion. Voilà. Tu es un morpion. Voilà. Et je m'en fous. Si je supporte le frère du village, où est le problème? La tanière du tribalisme qui a tout dit là, il ne voit pas. C'est vous qui êtes là qui parlez. Je m'en fous. Koro, il supporte son frère du village. Et puis. Donc, il ne voit pas tout dit. Il ne voit pas l'armée là. Il ne voit pas la défense, la gendarmerie, les postes clés. Hein? Secrétaire général de la présidence. Hein? Il ne voit pas ça. Ah bon, hein? J'ai même fait quoi? Si mon frère a son association, ça marche bien. Mais je dois adhérer, je dois me le soutenir.
Mais oui, je dois le soutenir. Si mon frère crée son association et que ça marche bien, hein, mais je dois le soutenir. Bien, c'est clair. Mais c'est, si mon frère prend le pouvoir, ça devient autre chose. Je cherche le réseau. Non, Maurice, comme tu es un visionnaire, il n'embrasse pas n'importe qui. Oui, Patricia, il n'embrasse pas n'importe qui. C'est un visionnaire. Il les a vus venir. Voilà. Il les a vus venir. Que, wow, on va supporter, par exemple, le frère du village. Mais il ne voit pas Etoudi. Etoudi qui est la tanière du tribalisme. Hein? Un ne voit pas Etoudi qui est la maison du pays. Que c'est les mêmes gens qui sont dedans. La même tribu. Chef d'état-major. Commandant de la garde présidentielle. Tout, c'est les mêmes frères. Voilà. Tous les postes clés. Hein? Tous les ambassadeurs. C'est les frères du village. Donc, l'association de mon frère, un parti politique, c'est une association. C'est d'abord une association. Et si je vois mon frère faire quelque chose de bien, attendez, mais la seule manière, c'est d'adhérer à son opinion, à son idéologie, pour que ça marche bien. Et maintenant, au cas où il prend le pouvoir, il est maintenant obligé de faire avec tout le reste des Camerounais. Parce que là, on parle de la République. Un parti politique, c'est une association. C'est normal. J'ai toujours dit, c'est normal. C'est le pourquoi, quand vous voyez les bassins là, qui entourent Cabral Libi, là, ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Mais le président Maurice Kamto, c'est lui qui est votre moins cher. Vous manquez. Tant pis pour les gens qui ont honte d'appartenir à ce qui appartient à leurs frères. Quand ton frère fait ce qui est bien, il faut adhérer. Il faut être même un sorcier pour boycotter ce que ton frère a fait et qui marche bien. Qui marche bien. Il faut être un sorcier pour boycotter ce que son frère a fait. Il faut être jaloux. Il faut être aigri pour boycotter ce que son frère est en train de mettre sur pied pour la bonne marche des choses. Et on connaît ça. Quand j'ai mettre Mbanga Diaspora sur pied. Mais attendez, mais ceux qui ont boycotté, la majorité sont mes proches. Sont mes proches. Et ils ont dit que ça ne pouvait jamais marcher. D'autres allaient même dire que je vais escroquer l'argent des gens. Mais oui, d'autres allaient dire que je vais escroquer l'argent des gens. Ouais. Dis donc, la connexion là, ça dérange. Aujourd'hui, ça marche. D'autres ont fermé. Donc, il faut jamais avoir honte. Parce que je vois encore certaines petites minables personnes là. Que non, vraiment, tu vas voir quelqu'un là, il voit bien la vérité là. Mais il a peur de se prononcer. Pourquoi? Il a peur qu'on dise que c'est le frère du village. Voilà les gens qui gouvernent le Cameroun avec le village. Voilà le Cameroun qu'on gouverne avec les frères du village. Ça vous dérange pas? Quelque chose qui est interdit par la constitution du pays. C'est interdit. On abuse à tous les niveaux. C'est interdit. Et tout Dieu est plein des mêmes personnes. Les postes clés, c'est les gens d'Etoudi. C'est les gens du même village. Si ce n'est pas le sud, c'est le centre. Voilà. Si ce n'est pas le sud, c'est le centre. Et même les gens du centre, là, ils sont même peu. On parlait de trucs qui n'ont pas de sens. Que oh, le frère du village, je m'en fous. Si aujourd'hui, il a compris qu'il fallait supporter le frère du village, c'était bien, non? Qui supporte le frère du village? Et que le frère du village change ses conditions de vie. S'il en veut Maurice Kamto, parce que Maurice Kamto n'a pas changé ses conditions de vie, désolé. désolé si il venait dans le MSC parce qu'il croyait que les frères du village de Maurice Kamto devaient changer ses conditions de vie. Désolé, mon frère. désolé. Mais oui, désolé. Voilà, désolé. Kobo. Maurice Kamto a fait ceci, cela. Les mêmes personnes ne parlent pas de Samuel Eto'o. Ils ne voient pas à la Feka Foot Samuel Eto'o. Ça ne les dérange pas. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous dérange pas. Maurice Kamto, c'est votre moins cher. Au fait, on a compris. Maurice Kamto donne la visibilité. De il contrôle le game. Ah oui, Maurice Kamto. Qui es-tu? You be you. You be you, Maurice Kamto. You be you, eh? You be you, you be you. Il donne la visibilité. Donc il tourne après. C'est Maurice Kamto.
Quand on veut un peu de la sympathie, c'est Maurice Kamto. Quand on demande un peu comme ça, on veut se rattraper, c'est Maurice Kamto. Il vous donne la visibilité. Tu connais, non? Il y a un qui m'a dit une fois que non, je vais aller le clasher. Il dit, essaye. Essaye. Tu as le tombou dans ta bouche. Essaye. Mboutman. C'est pas là que tu parles de Maurice Kamto. C'est pas là que tu fais semblant d'être derrière lui. Viens, Hoha. Choc, Hoha. On te ferme partout, Mboutman. Maurice Kamto. Ils ont la visibilité. C'est clair. Vous êtes nombreux là que si vous n'avez pas commencé à parler de Maurice Kamto. Nous, on a commencé à mener le combat. Et puis voilà. Et puis on s'est rendu compte qu'on partait la même idéologie. Ceux qui me connaissent connaissent mes débuts. Mais oui. Vous avez commencé sur la toile ici là que ça avait le nom de Maurice Kamto. Maurice Kamto. Vous, d'autres exagèrent si bien qu'ils encensent les frères du village de Maurice Kamto. Jusqu'à tu dis que mais celui-ci en gros c'est même qui est. Il veut. Mais nous aussi on se méfie. Et parce qu'il faut. Il faut être idiot. Hein? Quels que soient les défauts de tes parents, il faut être idiot en encensant la tribu de quelqu'un d'autre descend de sa part. Il faut être trop bête. Quand tu commences à faire comme ça devant moi, je commence à avoir peur de toi. Mais oui. Je ne peux pas m'asseoir un matin, je commence à dire que les Vamileke, oh, c'est les. Moi, pourquoi? Je vais m'asseoir, je vais dire ça pourquoi? Jamais. Je peux parler de défauts d'un Vamileke. Hein? Je peux critiquer un Vamileke. Je ne peux pas regrouper toute une tribu d'une personne. Hein, en insultant une tribu comme vous le faites. Ou bien c'est la famille, non? Quand vous venez là, vous descendez même vos propres tribus. Vous descendez votre tribu parce que vous voulez la visibilité. On peut faire ça. Donc quelqu'un peut vendre ses parents au fond là parce qu'il veut la visibilité. Quelqu'un sacrifie ses frères du village parce qu'il veut la visibilité. Parce qu'il veut un peu de la sympathie. On a vu un hier que c'est-à-dire que un hier, il a une chaîne qui était là qui dit que non, tuez les autres, tuez les autres. Toujours lui. Il a dit que mes frères sont les fonciers. Que mes frères sont des sorciers. Mes frères sont foncièrement méchants, jaloux. Il y a un qui avait dit ça. Aujourd'hui, Longata. Moi, il ne peut pas dire ça. Voilà. Il peut critiquer quelques. Mais pas que m'asseoir un matin, non. Dans toutes les tribus, il y a ceux qui sont bien, il y a ceux qui sont mauvais. Voilà. N'identifie pas une personne en critiquant tout le monde. Non, non. On ne peut pas prendre une personne en définissant le caractère de tout le monde. Ça ne se passe pas comme ça. C'est interdit. Voilà, il faut être minable. Donc, ce qui me plaît, c'est que vous allez danser comme vous allez danser là. Le président Maurice, quand vous regarde seulement, il sait que chacun veut la visibilité. Voilà ce qui me plaît à Maurice Kamto. Tu viens, tu cries son nom, oh, le MSO, oh, Maurice Kamto, c'est Dieu, c'est le pape du draw. Il ne dit rien. Il ne te répond jamais. Le jour que tu parles, il ne te répond jamais. Tu le dénigres, oh, il ne te répond jamais. Toi-même, tu te détruis toi-même. Ah, Maurice Kamto. Ah, Maurice Kamto. Tu te construis avec son nom. Tu te détruis avec son nom. Il n'appelle jamais ton nom. Ça, c'est du Maurice Kamto. Beaucoup viennent là sur la toile, ils se font connaître le nom de Maurice Kamto. Ils se font aimer le nom de Maurice Kamto. Toujours un encore, ils se font détester, ils se font détruire, oublier avec le nom de Maurice Kamto. Maurice Kamto donne la visibilité. Il construit et il déconstruit. C'est comme ça. Les gens sont, c'est fini. Tu vas jouer ce que tu vas jouer là. Tu vas faire ta. Vous allez tourner là. Ils ne vous citent pas, ils ne vous gèrent même pas. C'est ça la force d'un grand homme. Voilà le comportement de quelqu'un qui aspire un jour gouverner un pays. Voilà, regardez-moi. Que le président Maurice Kamto ne m'a jamais cité. J'étais un Bamileke, il devait être reconnaissant à moi. Pousse le pion. Dis même ce qu'il ne faut pas dire. Il ne te reconnaît pas. Ce qui me plaît, c'est qu'il reconnaît Bibou Nissak. Bibou Nissak, qui n'est pas Bamileke. Ah oui. Bibou Nissak n'est pas Bamileke. Il reconnaît Bibou Nissak. Tu vas. Oui, il reconnaît Bibou Nissak. Toi, il ne te reconnaît pas. Il te reconnaît pourquoi? Toi, tu es qui? Les bipolaires, les gens instables. Les gars comme les Eba là, c'est des personnes instables. Qu'est-ce qu'on a foutu avec toi? Donc, pour lui, là, c'est le président Maurice Kamto qui va construire sa maison. C'est le président Maurice Kamto qui va t'acheter la voiture. Il va envoyer tes enfants à l'école. Niet. Je ne pourrais jamais dire que c'est à cause du MSC qu'on m'a tapé. Jamais de ma vie!
Vous voyez les gens qui marchent derrière les personnes parce qu'ils veulent un peu manger. Tu vois, vous allez voir, à l'époque, ils marchaient avec l'autre. Aujourd'hui, Maurice Kamto est tribaliste. Mais il oublie que hier, celui avec qui on a arrêté, la maison dans laquelle on l'a arrêté là, c'était la maison d'un Bamileke. Tu faisais quoi avec celui-là? Celui chez qui tu partais faire les lives là. Voilà les gens, vous allez les voir dans la vie, vous croyez que c'est des personnes. C'est des personnes vides. Sans. Les fonds de commerce, c'est seulement parler. Si tu fuis au fond de lui, il est 11 devant 11. Zéro macabo. Oui. Ouais. Juste parce que peut-être quelqu'un peut s'asseoir, il manipule un peu la langue de Molière qui n'est pas sa langue. Comme a dit le président burkinabé. Hein? Le président burkinabé a dit que les gens, parce qu'ils peuvent un peu manier la langue de Molière, hein? De la bonne des manières. Bon, il suffit maintenant qu'on décide d'utiliser le Djula et le Haoussa comme la langue nationale. Il devient subitement les illettrés. Et c'est vrai. Les gens, parce qu'ils peuvent bien parler français, voilà, subitement ils sont les intellectuels, ils sont les sabitous. À fermer la gueule. Un gars comme Ebala, tu étais où hier? Tu étais où? Faut travailler. Va travailler. On n'est que important quand on travaille. Vous voyez des gens qui regrettent, c'est parce que ils ont mis tout le cœur que non, si ce n'est pas ça, ce sera que comme ça là. Non, faut travailler. Rendez-vous utile. On ne vient pas en politique bras ballants. Non, on vient avec quelque chose. Voilà. Si quelqu'un passe son temps à pleurnicher une amitié, ça veut dire que c'était lui qui profitait dans cette amitié-là. Voilà. Maurice Kamto ne gère personne. C'est comme ça. Et c'est ça les règles d'un homme politique. Un homme politique se lève quand il s'agit de son membre. Et c'est tout à fait normal. Un homme politique ne n'ouvre pas sa bouche parce qu'il faut parler d'un supporter. Non. Non. C'est comme les fans. J'ai vu une fois, j'ai beaucoup apprécié. J'ai vu Fally Ipupa une fois, sur un podium. Voilà une fan qui monte. La fan a tellement faroté Fally. Mais c'est comme ça qu'elle. Professionnellement. Tu vois comment Fally va, après il rentre, sans toucher la femme de quelqu'un. Parce que peut-être c'est la femme de quelqu'un. Même si elle est célibataire, c'est plus respectueux. C'est plus respectueux. Il faut être professionnel. Ce n'est pas tous les fans qu'on embrasse. Mais oui, désolé. Tu étais un fan du MSC. Mais oui. Tu étais un fan du MSC. Tu étais un fan de Maurice Kamto. Ça ne fait pas de toi un membre du MSC. Kamto doit donner sa voix pour toi. Pourquoi? En tant qu'homme politique, il a le droit au silence. Il a le droit à être réservé. Parce qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui est lui-même averti. Pourquoi que Maurice Kamto est comme ça? Il est simple. Il est simple. Combien de personnes ont fait les bruits, après ils sont partis. Maurice Kamto. Le schéma que tu es en train de mettre à Ebala, ça c'est le schéma que l'infime là, Mbok avait aussi mis le même schéma. Mbok Matip avait mis le même. Là, il mouille le maillot. Après, c'est toujours lui encore qui insulte. C'est lui qui incense Maurice Kamto. Après ça, c'est lui qui encore insulte. Il vous voit, vous allez partir comme ça, là, un à un. Et le bourreau aime ça. La dictature aime ça. Voilà. Quand la dictature sent que tu es dépourvu de tes substances, que tu n'as plus de soutien, et que ton seul soutien, c'est maintenant elle-même la dictature, tu deviens sa proie. C'est comme ça la dictature. Quand la dictature te retourne contre tes partenaires d'hier, et qu'aujourd'hui tu te retrouves toi seul, face à elle, maintenant comme là, tu as vu, Sébastien Ebala encense maintenant le régime. Il encense le régime. Voilà. Lui qui avait souvent l'habitude de dénoncer la malgouvernance. Hein? Quelle incohérence. Donc celui-là hier qui était la victime, voilà, qui pleurait, et qui dénonçait ses bourreaux, aujourd'hui encense ses bourreaux. Maintenant se retourne contre son dieu d'hier. Son dieu. Il faut parfois avoir honte, hein. Quand vous encensez les gens en public, tu ne peux pas traiter quelqu'un de Dieu hier, hein, du pape, du droit, d'un savant, hein, d'un intellectuel hyper international. Et puis c'est toujours toi aujourd'hui qui viens dire devant les gens qu'il est le diable. Mais attendez quand même, il y a une seule chose qu'on doit garder, même quand on a tout perdu, sa dignité. Parfois il faut avoir honte dans la vie, Ebala. Tu fais honte, tu fais pitié. Il faut que tu partes travailler, Bala. Arrête ça. Va travailler.
Laisse ça. Maurice Kamto ne peut jamais te répondre. Tu es trop petit pour qu'il te réponde. Ce qui me plaît, c'est que Maurice Kamto fait partie des politiciens opposants africains les plus charismatiques. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que la malchance que tu as, c'est que Maurice Kamto, c'est un avocat. Il n'y a pas plus sage, il n'y a pas plus méfiant, il n'y a pas plus intelligent qu'un homme comme Maurice Kamto. Ça fait le temps que tu comprends que même ceux qui étaient en prison là, on les a envoyés en prison pour qu'ils partent t'aimer le président Maurice Kamto. Et c'était ça ta mission, toi non aussi. Tu voulais que le Maurice Kamto t'embrasse, le MS t'embrasse, et dans tout ça, tu n'as pas la carte de parti. Tu n'es pas membre du parti. Et tu veux quand même qu'on soit reconnaissant avec toi. Comment tu ne remplis pas les conditions d'un parti? Et tu veux que le parti te... Je te rappelle bien que à son temps, John Fundi ne reconnaissait pas Lapiro de Mbanga. Ah oui. Et tu vois, le grand Lapiro de Mbanga, la légende, artiste engagé de son époque, qu'on n'aura jamais un d'eux au Cameroun. Ce que Lapiro a fait, on compte ceux qui le feront. Regarde que Lapiro, ce qu'il a fait, on compte ceux qui le feront. Voilà. On compte ceux qui le feront, ce que Lapiro a fait dans ce pays. Mais Fundi ne l'a jamais assumé. Mais oui, parce que quand on dit, parce que tu voulais que le MS et Maurice Kamto t'assument. Non, en politique, ça ne se fait pas comme ça. Parce que l'homme est éternel, bipolaire. À tout temps, vous pouvez changer. Et prendre ça, vous faites le chantage avec. C'est clair. Mais oui, c'est comme ça. Et faites attention dans la vie. Que ça serve de leçon dans la vie des gens. Méfiez-vous d'assumer certaines relations en public. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Quels que soient les efforts. Non, ça peut être un plan bien monté. C'est comme dans la mafia. Voilà, quelqu'un tue sur son membre de sa famille. Quelqu'un tue même son propre frère. Quelqu'un tue même sa mère. C'est-à-dire que dans la mafia, vous voyez, quelqu'un tue sa mère, quelqu'un tue son frère. Pour qu'on lui fasse confiance, comme les autres la font, il mouille le maillot pour entrer dans vous. Maintenant, pour vous atteindre. Comme ça dans la mafia, non? En fait, tu finis avec ton père. Même ta mère, toi-même là, tu assumes pour atteindre. On te donne un grand poste. Maintenant, à partir de là, tu dévoiles. Maintenant, tu appliques la mission. Tu joues le rôle dont on t'a demandé de faire. C'est comme ça. Donc maintenant, ça les énerve. Ils sont nombreux là. Ils sont venus à côté du président Maurice Kamto. Ils n'ont pas pu atteindre l'homme. Certains, ils ne les ont même pas reçus. Donc, ils sont nombreux, ils ont le macabre du président Maurice Kamto. Que merde! Avec tout ce qu'il fait là, je mouille le maillot comme ça, le tien ne me reçoit pas. Oui, il connaît, il s'attendait à tout. Il connaissait que c'est comme ça que vous allez finir. Voilà. Imagine qui t'avait appelé à côté de lui. Vous, les personnes instables. Vous connaissez le combat que Maurice Kamto mène? Vous connaissez le combat que Maurice Kamto mène? Vous connaissez qui est en face? C'est l'un des... On te dit qu'un homme a 41 ans au pouvoir. On te dit que quand on veut combattre avec lui là, on gère les humeurs des personnes comme toi, des millions de personnes comme toi là, Ebala. Ebala, dis-moi, qu'est-ce que tu as à perdre même toi là? Parce que la dernière fois, tu étais là, tu voulais payer ta petite. Hein? La dernière fois, il cherchait l'argent pour payer sa petite chambre de 15 000. La dernière fois là, Ebala, il avait vu, il cherchait un peu d'argent pour payer sa petite chambre de 15 000. Il vient s'asseoir pour que le président Maurice Kamto... Le président peut-être Maurice Kamto te connaît, peut-être il a de la sympathie pour toi. Mais en tant qu'un homme politique, il ne peut pas t'assumer. C'est clair, il ne peut pas t'assumer. Il va t'assumer pourquoi? Est-ce que tu as la substance? Le combat que Maurice Kamto porte, les charges lourdes qu'il porte pour le pays ici, avec un pays comme ça, là, où la vie de chacun... Nous sommes dans un pays très dangereux où chacun limite le destin du Cameroun à sa petite vie personnelle, à sa petite personne. Il faut être très méfiant quand tu es un leader comme le président Maurice Kamto. Il faut être méfiant d'assumer certaines relations en public. C'est très dangereux d'assumer certaines relations en public. Et voilà pourquoi le président Maurice Kamto a compris. Oui, 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 il a compris. Il a l'expérience là. D'abord, plus futé que toi. On te dit que quand il est avocat, quand on est avocat au niveau de Maurice Kamto, là, mon ami, on ne se fait pas berner. Hein? Mais oui, oui, on ne se fait pas berner. Et oui, ce n'est pas parce que nous sommes en prison ensemble que tu es mon partenaire ou bien tu es avec moi. Les plus grands hommes sont morts en prison. Mais oui. Les plus grandes négociations se font en prison. Mais oui.
On t'envoie en prison avec quelqu'un alors qu'il a mission pour finir avec toi. Donc faites beaucoup attention. Parce que quelqu'un porte mon sac. Ou il me fait la talakou. Comme ce que tu vois les Ebas là, ils font la talakou. Ils passent à une autre dimension de la talakou. Ils mouillent le maillot. Tu t'amuses comme ça là, tu te laisses aller. Tu l'amènes même chez toi. Regardez l'homme que tu as amené chez toi. C'est qui va devenir demain. Il va devenir ton pire cauchemar. Tu vas regretter. Mais oui, tu vas regretter. Mais c'est fait tard. Donc, pour être un homme qui va diriger un pays, il faut être dur comme le président Maurice Kamto. Et je rappelle déjà comme ça là, à tous ceux-là qui pensent que si le pays change et que Maurice Kamto devient président, non, ce sera le laisser aller, vous allez voler l'argent. Wallahi bilay. Wallahi bilay. Un gars comme Maurice Kamto au pouvoir, même 100 francs, tu pars en prison. Les gens comme Maurice Kamto là, il est au pouvoir, même 1000 francs. Mais oui, parce que je mets en garde comme ça certaines personnes. Voilà. Parce que les gens pensent que non, si le président Maurice Kamto part, prend le pouvoir, c'est ça, le laisser aller, chacun va se servir comme il veut. Non, fais attention. Un monsieur comme ça prend le pouvoir, chacun va confirmer. Parce qu'il est difficile de caractère. C'est des hommes. Maurice Kamto, c'est l'incarnation de l'homme d'État. Voilà, c'est l'homme d'État. Donc, parce que tu penses que tu as les affinités avec lui, il fait ça dur. Voilà, c'est les gens qu'on est Maurice Kamto. Donc, tu viens devant lui là, tu fais une déclaration compliquée, bizarre là, qui sent que tu vas enfreindre à l'évolution du pays. Tu veux voir sur le nid qui te prend au portail. C'est un homme d'État. Voilà. C'est normal. C'est le contrat. Voilà, Vassero est membre du MS, on les a arrêtés ensemble. Et c'est normal. Alors, il peut assumer Vassero. Toi, on va t'assumer pourquoi? On ne sait même pas là où vous sortez. Juste parce qu'à l'époque, tu t'es fait connaître sur le nom de Samuel Eto'o. Voilà, bah, c'est sur le nom de Samuel Eto'o qu'on a commencé à parler des basso. Mais oui, non, Ebala s'est fait connaître avec le nom de Samuel Eto'o, non? Parce qu'à l'époque, Samuel Eto'o l'a envoyé en prison. C'est là qu'il s'est fait connaître quand il sort. Voilà, c'est là qu'il s'est fait connaître. Mais à part ça, là, il bavade, il bavade, il bavade. Aujourd'hui, la gauche, demain, la droite. On combat pour soi-même d'abord. Voilà, on combat pour ses convictions, pour le changement du Cameroun, pour le bien-être du pays, et que les autres en profitent. Maintenant, quitte à ce que ceux qui partagent la même idéologie que toi te rejoignent, c'est bien. S'ils t'assument en public, c'est bien. S'ils ne t'assument pas, tu avances. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a à foudre? Que le MS ne m'a pas reconnu, ne m'a pas valorisé, le président Maurice Kamto ne m'a pas valorisé, parce que je ne suis pas un Bamileke. Bibou Nissar est Bamileke? Vassero est Bamileke? Est-ce que Vassero est Bamileke? Est-ce que Mamadou Mota est Bamileke? Sans compter plusieurs noms que je ne peux même pas citer. Hein? Est-ce qu'ils sont Bamileke? Mais Maurice Kamto les assume. Parce qu'ils sont membres du MS. Toi, tu n'es pas membre du MS. Il va t'assumer pourquoi? Assume pourquoi? Les gens bipolaires, quelqu'un qui a les problèmes de maison, les problèmes de chambre, et il dit qu'il parle de l'avenir du pays. C'est mieux de parler de ton avenir toi-même d'abord. Bats-toi d'abord, tu améliores certaines conditions de vie avant de t'engager. Parce que parler de s'engager en politique, c'est déjà... Voilà, parler de politique, parler de l'avenir du Cameroun, c'est bien. Mais il faut aussi avoir l'autosuffisance pour soi-même. Parce qu'on peut s'engager dans un combat où soi-même on a de la peine pour manger. Mais oui, c'est ça le problème. Et quand tu es en face de toi les personnes pareilles, qui parlent tellement bien, et que par la suite, mes gars, vraiment, trouve-moi même 1000 francs et paye ma maison. C'est un problème. Tu peux être là à plus de 35 ans. Tu as encore les problèmes de maison. C'est quoi ça? Hein? Tu as encore les problèmes de maison. Tu as encore les problèmes pour payer ta petite chambre de 15 000. Tout ça. Irresponsable devant Dieu et les hommes. C'est toi qui viens t'asseoir pour parler de l'avenir du pays, d'un homme politique comme Maurice Kamto. Non, il faudra avoir l'autosuffisance pour parler de certains sujets. Voilà, sinon tu seras corrompu, c'est clair. Voilà pourquoi vous suivez le vent. Demain vous êtes à gauche, demain vous êtes à droite, après demain vous êtes no way. Parce que vous suivez le au lieu de réfléchir à la tête, vous réfléchissez à votre ventre. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc mon cher monsieur Maurice Kamto n'a pas le droit de te reconnaître. Il t'ignore même, il te gère même pas. Voilà. Tu es même petit. Il dit même que le grand Lapureux de Manga,
Voilà. Et nous, en Banga, on a dit que si la Piro, il dit bien que John Fulin n'avait jamais assumé la Piro de Banga. Et je suis sûr qu'à l'époque, si la Piro de Banga était. À l'époque là, si la Piro de Banga était dans le SDF, il ne partait pas en prison. Voilà. Assumer quelqu'un, c'est différent de reconnaître quelqu'un. Quelqu'un peut te reconnaître bien. Quelqu'un peut avoir de la sympathie pour toi. Mais il ne t'assume pas. Parce qu'assumer, ça veut dire que quoi? J'assume ça qu'il s'agit. Assumer, ça veut dire que j'assume avec tout ce qui arrive. Que ce soit bien ou que ce soit mal, je t'assume. C'est ça le problème. On peut avoir de la sympathie pour quelqu'un sans l'assumer. Il faut faire beaucoup attention. Dans le grand Lapiro Mbanga, à son temps, John Fou, il ne l'avait pas assumé en public. Toi, tu es.